tant que jeunes, nous sommes au sein de cette organisation et nous avons pensé qu'il était bon d'apporter notre pierre à l'édifice, partager le peu que nous connaissons, parce que nous sommes tous ici réunis, les dames ici avec moi, tous au sein de l'association, des experts en communication, des experts en gestion de projet, des personnes engagées au sein de la communauté. Et donc, nous avons pensé, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, de mettre en place ce projet pour aller dans les villes de Côte d'Ivoire, pour former les jeunes déjà à l'usage bénéfique et utile des réseaux sociaux, à la vérification d'informations, mais aussi à la gestion de conflits et à les notions de cohésion sociale. Vous savez, c'est le renforcement du climat social qui pourra assurer des lendemains meilleurs à nos localités. Je passe donc à nos communes, à nos régions. Et à l'aune de ces élections locales et régionales, il était important de nous associer en tant que fêtiers des organisations de jeunesse à cette initiative de la TECCAM qui vient en tout cas éveiller les consciences, qui vient en tout cas encourager les jeunes à lutter contre la désinformation. Récemment, nous étions au lancement d'une activité de lutte contre la désinformation portée par le ministère en charge de la communication et de l'économie numérique. Et aujourd'hui, c'est une organisation de jeunesse qui nous invite donc à la même initiative. Et donc, c'est dire que les jeunes sont résolument engagés aux côtés, bien entendu, des pouvoirs publics dans la lutte contre la mauvaise information. Et nous travaillerons à ce que pour ces élections municipales et régionales, nous n'ayons pas de fake news parce que les fake news détruisent notre environnement.